Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chasse Pokémon Go. J'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti. Oh bah, on part au travail. Regardez sur quoi on tombe. À l'énergie, tout simplement. En plus, il est pas très gros. Donc on va pouvoir faire du bonbon là-dessus. Des bonbons et de la poussière, vu que c'est mon premier Pokémon en plus. Oh, voilà, c'est parfait ça. Voilà, 1800 poussières. Tranquillement. Nickel. Allez, on va s'attaquer à cette arène. Parce qu'à la base, j'étais là pour ça. Bon, pas de caméra, hein, parce qu'il est très très tôt. Il fait bien nuit. Donc toujours le Tyranocide bien bourrin. Donc malheureusement celui-là il va falloir le retaper. Voilà, un bon coup de lame de roc, ça calme toujours. Bon, c'est quand même intéressant d'avoir un bon gros Pokémon comme ça, bien bourrin. Ça évite de changer. C'est quasiment tout le temps celui-là que j'utilise. Ou alors des fois le noix de coco avec canon graine. Hein. Quand il y a beaucoup de petits, c'est intéressant le noix de coco avec canon graine. Parce que les attaques chargées reviennent plus vite. Bon là on n'aura même pas le temps, besoin de mettre le lame de roc. Ça passe tout seul. Ah, on peut même repartir à la charge avec on le reprend, vous avez vu, il a presque rien ramassé. En fait, ils ont pas le temps de le toucher, quoi. Donc, non, ils auraient été tous là. Les quatre auraient été encore au deuxième tour. Le Tyranocif aurait encore suffi. Hein. Vous voyez, il n'y a que lui qui nous a fait un petit peu mal. Mais sinon, c'est tranquille. Voilà, excellent travail. Bon, là, il y a une série 2, je pense. Mais il y a un peu de tout. C'est un peu compliqué. Il y a du Safari, il y a du Normal. Et il y a de l'Event Equinox, je pense. Tout ça, c'est de l'Event. On ne sait pas lequel, mais c'est l'event. J'ai décidé de me débarrasser de tout ce qui était event. Hein. Ah, ma choc. Donc ça, c'est du normal. Ah, par contre, là, la connexion Internet, c'est moyen. Bon, on est revenu. J'espère que ça n'a pas bugué. Bon, c'est bon. Alors, ça, c'est de l'event, mais c'est pas génial. Hein. C'est ce qu'il y a de pire. Oh là là, bon bah c'est nul hein. On n'a rien, rien. Là, ah, un petit Pichu, mais il n'est pas shiny. Et voilà, on a fini notre série. Bon, on continue notre petite moisson matinale avec un Machoke. Bon, franchement, la journée commence plutôt pas mal hein. Machoke et l'énergie. Et voilà, c'est attrapé. Allez, nos petits œufs du matin tranquillement.
Ah bah c'est pas un truc de l'event ça. Mystère, bah... c'est un peu dégueulasse. Et on en a qu'un. Allez, on va se prendre le donfant qui a popé juste à côté. Oh là là. Ok. J'ai décidé de m'énerver dès de bon matin. Voilà. Un petit fampi. Je me semble que j'ai dit donfant, mais c'est un fampi, bien sûr. On va prendre le miaouss. Évidemment, on prend Fampi, mais on pense Donphan. Hein. Pokémon toujours, toujours pénible en arène. Hein. Et voilà. Regardez-moi ça. Voilà. Petite vague. Avec quelques surfeurs. Oh là là, ça donne vraiment envie de s'y remettre. Allez, on est avec le collègue en voiture et on se fait des petits œufs tranquilles au passage. Donc on a un 9-5 qui est de l'event. Donc c'est Ammonita. Ok. Parce que même dans les œufs 5, hein, y a des œufs différents. De l'event. Pas terrible. Hein. Allez, un petit 5 km. Comme vous pouvez le voir, il fait pas encore jour. Oh, un sécateur. Ça, ça va me servir. J'ai besoin de bonbons. Bon, j'ai oublié mon micro, j'espère que ça, vous allez m'entendre, mais c'est quand même un cadre super sympa pour vous parler. Oh là. Donc, deux, trois petites infos qu'on a en ce moment, qui sont tombées. Donc, il y a une nouvelle version 0.75.1 qui est tombée, mais apparemment, elle apporte absolument rien de nouveau. Et surtout, il y a des rumeurs, donc sur le site de Pokémon officiel, pas de Niantic. Qui annonce donc qu'il y aura bien un événement Halloween comme l'année dernière. Donc ça c'est plutôt cool. Et dedans ils annoncent qu'il y aurait des nouveaux Pokémon. Enfin, ils disent pas des, ils disent nouveaux Pokémon quoi. Donc on sait pas s'il y en aura des ou un seul. Ils peuvent très bien nous mettre que le Loir comme ils peuvent nous balancer la 3G. Donc on spécule pas là-dessus, donc on verra bien. Allez, je vous laisse continuer à regarder cette chasse. Allez, on va se prendre ce Malos. J'aime pas quand je dis on va se prendre ce Malos et que ça part pas. On va essayer de se faire des boules. On a des B3 dans encore. Oh là là. Voilà. Oh là là. Des petites erreurs de réseau, comme vous voyez, je suis pas dans ma voiture, elle est au garage. Je suis dans une voiture, c'est assez épique. 300 000 km au compteur, ça roule. Allez, on se fait notre petite série de 5 jours sur ce Malos. Et je ne vais pas tourner ce Pokéstop, je préfère le faire sur une arène que j'ai en or. Allez, on va se prendre ce petit hippotrempe. J'aurais peut-être dû le mettre. Ouais, quoi que non. C'est du. Ça évolue avec 25 bonbons, donc je ne m'embête même plus à aller plus loin. Faire des hipporois, j'en ai. Donc... je ne m'embête pas. Tiens, une petite astuce pour ceux qui veulent faire de l'XP. Tout ce qui est chenipan, aspicot et roucoule. Bah moi maintenant je mets systématiquement une B3NA. Parce que ben ça veut dire que si vous le prenez,
tous les deux Pokémon, vous pouvez faire une évolution, donc 1000 points. Ce qui veut dire que chaque Pokémon attrapé, type Chenipan, Roucoule, Aspico, en fait, ça vous vaut 500 XP. Hein. Donc, faut pas négliger ces petites bestioles-là. Hein. Donc là, on va se taper ce jaune-là, qui est venu se taper l'incruste. On ne sait pas ce qu'il fait là. Avec un petit Krabos dégueulasse. Bon, tu enlèves, ouais. Ah, notre bon vieux Voltali 2424. Je sais pas si vous vous en rappelez. C'est avec celui-là qu'on tapait tous les Léviators. C'est marrant. On ne l'utilise plus du tout. Bon, là, je suis en train de meubler parce que... Eh ben, on est buggé. Allez, le combat est parti. C'est là. Alors quand j'ai... Ah oui, ça y est. Bon, vous voyez, gros souci de réseau là. Bon, du coup, je sais pas si je vais vous filmer tout, parce qu'il va falloir la taper une deuxième fois. Et hop. Ça sert à quoi de mettre des Pokémon pareils dans une arène sans déconner? Allez. Je sais pas ce qu'il me fait. En fait, je suis en train de regarder parce que Dengar a enfin sa propre tablette. Du coup, il rejoue. Et ben, il a repris son compte, hein, tranquillement. Et du coup, sur sa tablette, j'ai installé Ingress, moi. Parce que j'avais déjà joué à Ingress auparavant. Et là, de temps en temps, il rouvre les possibilités de proposer des Pokéstop. Et franchement, dans mon secteur, il y a plein de trucs qui valent le coup, qui devraient être des Pokéstop. Donc... Du coup, je relance le jeu. Et puis, bah, je vais essayer de me faire des nouveaux Pokéstop quand j'aurai le niveau. Mais là, je crois que c'est niveau... Je crois qu'il faut être niveau 11. Et niveau 11, c'est chaud. Hein. C'est très long. Hein. Bon, là, on est buggé. Ok, bon, bah, alors ici, enfin, à le taper, là. C'était pas non sans mal, hein, franchement. Problème de réseau, là, c'est vraiment pénible. Et puis, du coup, on va se prendre. On va se mettre dans cette arène. Alors, on doit avoir du bolo furie, là, on va mettre ça. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir se. Tourner le Pokéstop pour le premier jour. Comme c'est une arène en or, je préfère faire ça là-dessus. Parce que là, on est sur du lourd. Hein. Normalement, on va aller voir ça tout de suite dans notre journal. S'il veut bien s'afficher, hein, bien sûr. Et on a eu 9 objets. Ouais, ce qui est pas top, finalement. C'est quand même mieux sur le 7e jour. Hein. Là, je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, mais putain, il n'arrête pas de nous interrompre dans notre vidéo de chasse Pokémon Go, celui-là. Donc, je voulais juste savoir, qu'est-ce que vous allez faire maintenant dans le jeu parce que là, l'event est fini. Bon, bah, suite-une, pas de pression, hein, y a un mois pour l'attraper. Donc, faut se dire qu'au final, ceux qui jouent régulièrement, bah, on va finir par en jeter des suite-une. L'event Halloween, ça serait dans un mois. 4 bonnes semaines. Voilà, donc je sais pas ce qu'on va faire. Dites-moi vous ce que vous allez faire là, pendant ce mois-là. Apparemment, ça va être un mois un peu mort. Enfin, Mewtwo, on n'en parle même pas parce que ça dépend pas de nous. Je suis même pas sûr qu'ils fassent encore des tests. Donc.
on ne sait pas, il se passe rien. Là, je viens de me faire une heure de chasse et j'ai rien filmé parce qu'il n'y a rien à prendre. C'est que des daubasses, quoi. C'est du tout venant, le truc qu'on a vu et revu 3 milliards de fois. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous allez faire pendant tout ce mois où j'ai bien peur qu'il ne va absolument rien se passer. Tiens, j'ai essayé de vous attraper ce rapace de pique au milieu de cette meute. Bon, bah, c'est pris. Donc on va se mettre 1002. Je suis pas trop expert en rapace de pique. J'avoue, je le prends plus parce qu'on est en événement poussière. Donc ça fait un petit peu plus de poussière. Voilà. Impeccable. Voilà, ça nous fait 600 poussières. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!